Non, c'est pas. Oui, c'est pas. Quand je vois les poètes en face de moi, je pense aux hommes de Cro-Magnon. J'avais pensé un petit livre, j'avais pensé rire binaire. Je suis odeur rance, je suis doute, je suis rose. Et à partir de maintenant, ma tête ne contient que de la cassa. Et jamais plus mon rire ne se cristallisera en faisceau d'étoiles. L'essentiel nous échappe, désespérément ailleurs d'où nous sommes. Parfois, il nous visite quand nous oublions de fermer une fenêtre. Et nous manquons la rencontre car notre souci est de mettre les affaires tangibles à leur place convenue. Dans un éclat de rire, tu craches vérités et tracas. Au-dessus de ma tête, tes mots tournoient, papillonnent et se défendent dans un désordre prometteur. Tu me dis qu'il est temps d'ouvrir un silence sans boussole. Je suis le rire éternel des crânes qui brillent dans la nuit des siècles. Entre deux siècles, ce rire déroule son écho entre deux départs. Je suis le rire éternel qui cherche les profondeurs qui l'ont né. Attends que tu l'écrives. Quand elle allait cocher sa taille, sur la porte en se tenant comme une reine, elle sentait dans sa tête décupler l'espoir. L'espoir qu'elle volerait bientôt de ses propres ailes entre différentes parties sur les parvis du monde. Tout dire, tout parler, oser, tout écrire, tout sembler réussir pour mieux finir par tout rater, tout échouer et en rire, tout oser. L'Académie, 20 cadavres debout discutent de l'orthographe exacte du mot macabé. Puisse-t-il leur être fatal? J'espère que vous avez beaucoup de temps devant vous, là ça va prendre une éternité de voici. Je sème le déracinement comme un autre récolterait des fusées. Alors ici, vous avez un pur produit purgé du Limousin, matinée de parisianisme, mais quand même paysan, voilà. Un poète à ses heures. Et tu crois pas que le principal, ça serait d'apprendre aux hommes à aimer les femmes? C'est ce que je m'ai bien su à faire. Donc, la verbe effective, c'est ce que je m'ai bien su à faire. Leur dire comment la femme a besoin d'être aimée. Merci. Et n'oublions pas que la journée de la femme, il n'est pas interdit aux femmes d'aimer les hommes, quand même. Absolument pas, la preuve. Merci. Ah, ça allait bien. Journée de la femme et bon, des fois je me pose un peu de questions. Et quand est-ce qu'on fêtera la journée de l'homme? Quand est-ce qu'on fêtera? Oui, c'est bien. Tes réflexes et tes paroles qui te promènent et te ramènent vers ton parrain. Tes silences et ton air perdu qui sont tes moments privilégiés. De dialogue mien avec ton père défunt et si vivant, Mickey, c'est toi. Toi seul, tout cela à la fois. Alternance de soliloque, de monologue et de partage d'espérance. Mickey regarde toujours en avant, le tam-tam
Agbaja vibre et demande à tes pieds d'esquisser le rythme cadencé des Nina toujours. Bravo. Bravo. C'est le messager. Donc il est dangereux parce que si vous ne lui donnez pas bien à manger, il ira dire au dieu de la guerre, ce village-là ne vous aime pas, et il va créer le problème entre le village et les autres dieux. Et tout ce que vous dites, ça part. Alors si vous avez de beaux habits, ce n'est pas la peine de venir s'asseoir là. Et vous devez faire un vœu. Il faut le dire, hein. Bah non, si vous le dites, ça me suffit. Ah. Allez. Nicole, la pitonesse, quand elle ouvre la bouche, il y a de la fumée qui sort. Mais ça, relax, il n'y a pas de problème. Non, il ne te fait rien du tout. Ah, tu me filmes. C'est sympa, ça. Alors tu as été filmé avec le piton aussi. Bien sûr. Mais c'était chaud. C'était chaud, j'ai remarqué ça un peu. Je ne regarde pas l'objectif, hein, c'est ça la règle. Ouais, je ferai des petits bouts, je vous enverrai les petits bouts par internet. Ah ouais, tu peux faire ça, tu plairais. Des petits bouts de fil, ça me plairait. Des petits bouts de fil comme ça. Parce que comme on apparaît pareil, alors... C'est ça avec ta fille. C'est pour ça que je te filme. Voilà. Et je vais faire un zoom. Et je vais vous dépasser pour montrer ce qu'il y a derrière. Il a dit un vœu. Un vœu. Moi j'ai déjà fait mon vœu vers là, je vais rentrer chez moi vivant. Moi j'en ai pour deux. Ouais. Et 5 nous les Canadiens on n'a pas d'accent, hein. C'est vous les Français qui avez l'accent, alors nous c'est Canadien quoi. C'est qu'est-ce que tu en penses? C'est pourtant pas compliqué tabarnak. Oh ben lui il a un accent canadien, moi j'en dis pas. Donc ce mur là que tout le monde s'y appuie. Qu'est-ce qu'il y a de spécial ce mur? Un peu d'ombre. Ouais maman. Ah.